Alors là, on est dans la cave. Je voulais vous faire un petit bilan parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant, on mettait un petit peu tout notre stock ici. Maintenant, tout ce qui va être sec et qui n'a pas besoin de spécialement d'être au frais, on va le mettre en haut. Parce que ici, je trouve que je vais vous montrer en toute transparence le problème qu'on a. Donc si vous avez des solutions, dites-moi dans les commentaires. C'est que vous voyez, le truc d'origine, alors j'arrive pas à savoir si c'est à cause de l'humidité ou si c'est normal, j'en sais rien, mais il y a du salpêtre et du coup il y a plein de petits trucs de salpêtre et de sable qui tombent en fait sur nos bocaux. Donc ça c'est un gros problème parce qu'en fait quand on les prend pour les ramener dans la cuisine, c'est toujours sale quoi, c'est pénible. Donc en fait tout ce qui a vraiment besoin d'être au frais comme les conserves comme ça, on va les laisser là. Et tout ce qui où on s'en fout par exemple le miel etc, je vais le mettre en haut dans le grenier quoi, la salle qu'on a refait l'année dernière. Donc, je voulais juste vous montrer ce qu'on a fait à peu près cette année en termes de bocaux. Donc, la sauce tomate, j'en ai pas refait parce que vous voyez qu'il nous reste tout ça des autres années. En plus, on s'est mal organisé. Je sais pas comment ça se fait. Il nous reste des 2019. Enfin, il nous en reste que 3 ou 4. Mais voilà, 2022, il nous en reste quand même beaucoup. Donc, on n'a pas tout utilisé. Donc là, il faut qu'on fasse un reboot parce que sinon, après, c'est des choses qui restent là 36 ans et qui vont se gaspiller. Cette année, par contre, on a fait beaucoup de bocaux de ce que j'appelle les légumes du soleil. En fait, c'est comme une ratatouille, sauf que je mets pas tout ce qu'il y a dans une ratatouille et c'est un petit peu plus gloubi-boulba, on va dire. Donc, il y a beaucoup de courgettes et de tomates essentiellement. Et ensuite, il y en a qui vont avoir un petit peu d'oignons, de poivrons, mais c'est vrai qu'on a des moins grandes quantités de poivrons et d'oignons que les courgettes et tomates, on en a eu vraiment beaucoup. Donc là, c'est sur deux rangs, deux étages, et on a aussi tout ça. Donc ça représente quand même des bonnes quantités. Là, je pense qu'on en a vraiment assez pour cette année et pour une partie de l'année prochaine. Il y a, je sais pas combien il y a de bocaux exactement, mais à raison de un toutes les semaines. Vous mettez ça quand vous rentrez du travail dans une poêle avec des œufs au plat que vous cassez dessus en fait. Enfin, vous cassez les œufs dessus, ça fait comme une choukchouka. Et ensuite, ça vous le mangez avec pommes de terre, purée, riz, semoule. C'est un truc hyper simple en fait pour aller vite quand vous rentrez du travail. Donc c'est pour ça qu'on en a fait beaucoup. Alors que la sauce tomate, ça nécessite un plat qu'on a le temps de préparer. Et moi, essentiellement, je l'utilise pour les lasagnes et pour les pizzas. Donc voilà. Les haricots verts, j'ai relancé toute une raie de 20 mètres et quelques. Mais comme là, on a eu une semaine de sécheresse, j'ai pas, franchement, les cuves, il reste pas grand-chose d'eau dedans. J'ai pas voulu m'embêter à arroser avec l'eau de la ville et tout. On est en fin de saison, tant pis, faut accepter que des fois il y a des pots cassés. J'ai quand même sauvegardé pas mal de choses. Donc là, je me dis que les haricots, ça va le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 14 bocaux. J'arriverai peut-être à en faire 3 ou 4 de plus. Donc bon, ça ira bien. Tant pis, on en mangera un petit peu moins. Alors comme j'ai pas fait de sauce tomate, j'ai fait du ketchup. Je crois que je vous l'ai déjà montré dans le dernier vlog. En fin de compte, c'est plus proche de la sauce barbecue sans le goût du fumé que du vrai ketchup. C'est fait avec le miel à la place du sucre. Donc, je trouve ça super bon que vous le mettiez en base pizza, dans un plat en sauce, ou que vous le mettiez dans le coin de votre assiette quand vous mangez des trucs qui se mangent avec le ketchup, quoi. Je trouve ça très très bon. Moi, je n'aime pas du tout les trucs industriels. En fait, quand j'étais gamine, j'ai jamais été habituée à manger ça. Donc voilà, j'ai une aversion naturelle, on va dire, pour les trucs indus. Et je me suis dit, je vais en faire que pour Abdel. J'en ai fait 5-6 pots. Je vais en faire que pour lui, parce que moi, j'en mangerai pas. Et en fin de compte, j'ai goûté et j'aime beaucoup. Donc on va tout simplement continuer de faire ça les autres années. C'est la première fois, hein, que je fais ça. Concernant le stock des trucs achetés, quand je vous dis que j'achète pas grand-chose, je vous mens pas. Donc voici l'essentiel de notre stock industriel pour tout ce qui est conserve. Donc essentiellement des olives. En plus, on s'en sert pas souvent. C'est juste quand on a des invités et qu'on veut faire une entrée, quoi. Je mets des petites olives sur une pique à brochette. Mais sinon, nous, on n'en consomme pas tant que ça parce qu'on n'en a pas en abondance. Donc on mange autre chose, hein, on mange ce qu'on a. Le thon, bon là, va falloir qu'on refasse le stock. Mais c'est pareil, on en mange beaucoup moins souvent qu'avant parce que maintenant, on a beaucoup de viande. Alors je vous avais dit dans la vidéo sur la viande de mouton là que c'était qu'après 2 ans qu'on a les fruits de notre travail. C'est vrai en fait, avant on pouvait pas
tuer des moutons, vu que c'était encore nos reproducteurs, etc. Donc il a fallu le temps que ça se mette en place. Et là, maintenant, on a beaucoup de viande. Donc on a toujours des côtelettes ou des machins à faire, quoi. Et c'est pour ça que le thon, j'en prends plus, parce qu'en fait, le thon, c'était un peu le repas de la rente du travail et qu'il n'y a plus rien du tout, quoi. Et on se faisait, allez hop, un petit peu de thon. Mais voilà, c'est vrai qu'on en mange de moins en moins. Donc c'est pour ça que là, j'ai pas le gros stock que j'ai dû vous montrer, je pense, dans la vidéo. Dans la vidéo que j'avais fait sur le stock, je crois, c'était il y a 2 ans. Vous voyez qu'il y a il y a pas mal de choses qui ont changé, hein. Déjà, on a un petit peu plus encore de quantité de fait maison et on a énormément moins de choses du commerce. Voilà, olive, thon, moutarde. Pourquoi de la moutarde? Parce que donc j'en avais déjà fait 2 années de suite et là j'en ai pas fait cette année. Parce que à force en fait de faire de la moutarde et des choux sur toute l'année, j'avais tout le temps des brassicacées au potager et je me suis retrouvée envahie de pucerons. Alors je sais pas lequel c'est, en fait c'est un puceron un peu gris quoi, qui fait comme s'il y avait de la poussière dessus. Et je me suis dit bon allez basta, on va faire une pause quoi, sans moutarde, sans choux pendant quelques mois. Et donc du coup j'ai eu un creux dans la production, donc là je rachète de la moutarde. Mais bon c'est pas un truc qu'on consomme beaucoup quoi. Et là il va falloir qu'on le finisse. Bah alors là pareil, des champignons, d'ailleurs je vais le jeter je crois, je vais le donner aux poules, il est périmé depuis 2022. Bah parce que c'est ce qu'on achetait avant ça, avant, et maintenant en fait on n'utilise plus du tout. Là bah pareil, les fèves 2022 c'est périmé, faut qu'on les mange quoi. Je pense que c'est encore mangeable quand c'est des conserves comme ça, mais c'est vrai que on mange plus du tout des trucs achetés. Donc voilà l'essentiel de ce qui vient de l'extérieur. Les trucs qu'on utilise vraiment, on va dire que c'est juste ça. Et ça, voilà, on l'utilise pas. Ensuite, ce côté, ça va être tout le sucré. On a essentiellement des sirops, des compotes. Alors, on n'a pas beaucoup de compotes pour l'instant, parce que on fait surtout de la compote de pommes et de poires et que là elles sont pas encore mûres. Après je suis même pas sûre qu'on en ait assez pour faire de la compote. Donc il y a essentiellement des fruits au sirop et de la compote de prunes, mais j'en fais pas énormément parce que je trouve que c'est pas le truc dont je raffole. Les sirops de menthe, alors en fait je vous conseille de vraiment très 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 bien nettoyer les contours de vos bocaux. Je sais pas ce qui s'est passé, regardez-moi comme c'est dégueulasse. Alors est-ce qu'il restait un peu de sucre et du coup il y a la moisissure qui s'est nourrie du sucre, je sais pas. Mais c'est pas gâté à l'intérieur, hein. C'est vraiment que sur le contour. Il y en a qui ne l'ont pas, vous voyez, ceux-là ils l'ont pas, et là il y en a un qui a ça. Alors je sais pas du tout pourquoi. Je pense qu'il restait peut-être un peu de sucre sur les contours. Ça c'est de la compote de Mirabelle. Et vous voyez, celle-là, faut qu'on la mange. Compote pomme-poire 2020. Je crois que ça craint un peu. Je sais pas trop. On verra. Faut qu'on écoule le stock. Là, on a fait un mauvais roulement, vous voyez. Il y a des choses qu'on a et qu'on n'a pas mangées. Tout ça, c'est des petites confitures. Là, c'est le miel de l'année dernière qu'il faut que j'utilise aussi. Le miel, maintenant, on met plus là. Donc voilà, donc ça, c'est le mien. Juste à côté, je vais pas vous le montrer parce qu'il y a l'adresse. C'est le monsieur qui fait du miel juste à côté de chez moi. Enfin, qui pose ses ruches dans ma forêt. Et lui, son truc est pas loin de chez moi. Et donc du coup, on a quelques pots de lui que j'offre quand il y a des gens qui viennent, parce que au final, maintenant, on se retrouve avec un petit peu trop de miel. Au niveau des patates, on n'a pas ramassé les patates de garde et je pense que ça sera catastrophique. Là, on a que les patates qui ont poussé toutes seules et quelques patates précoces que j'avais oubliées. Mais je pense qu'on va, voilà, on va les consommer là. Il doit quoi y avoir en tout. Je pense qu'on a ramassé 60 kilos en primeur qu'on a consommé depuis le mois de début juin, qu'on a consommé au fur et à mesure. Tiens, j'ai fait rentrer une mouche en rentrant. On les a consommés au fur et à mesure parce qu'on n'en avait plus du stock de l'année dernière. Et là, il nous reste ça qu'on n'a pas écoulé encore. Donc, c'est pas grave, ça nous fera du stock. Parce que malheureusement, je pense que tout ce qu'on avait planté dans la parcelle de mon oncle, là, qu'on était censé se partager, ça a été catastrophique parce que comme c'est loin de la maison, loin de la maison, c'est pas sur mon terrain. C'est vrai que j'étais pas tout le temps à côté pour regarder et je me suis laissée un petit peu dépasser. Donc elles ont tout eu, ces pauvres pommes de terre, elles ont vraiment pas eu de chance. Alors tout a commencé tout a commencé par le cerf qui a bouffé toutes les têtes de pommes de terre, donc il avait tout coupé à ras. Je pensais même pas que c'était possible en fait que un cerf mange des feuilles de pommes de terre, parce que je pensais que c'était toxique. Si, lui il a tout coupé à ras. Ensuite
Elles ont un petit peu repoussé, mais forcément, bah, comme il n'y avait pas les feuilles de pommes de terre pour faire concurrence, il y a eu beaucoup de mauvaises herbes qui ont poussé. Donc j'ai perdu énormément d'énergie à désherber ces pommes de terre qui, en plus, avaient du mal à repousser, puisqu'elles se sont pris la sécheresse en pleine tronche. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai vu des doryphores que j'ai écrasés à la main. Ensuite, le peu qu'il y avait, elles avaient des... Comment ça s'appelle, là? Les espèces de vers... Les taupins, elles avaient des larves de taupins. Je vais vous montrer, j'en ai ramené. Je vais vous montrer, j'en ai ramené vraiment pas beaucoup. Voilà, elles sont minuscules. Minuscules, minuscules. Et toutes abîmées, voilà, elles ont des trous. Elles sont pas belles, quoi. Elles sont moches. Donc je sais même pas si ça vaut le coup, en fait, d'aller s'embêter. Franchement, mes primeurs ici ont bien mieux marché. Alors, ce qui est normal, puisqu'en fait, là, mon oncle, il avait labouré un terrain. Qu'il labourait tous les ans pour faire de la merdouille. Hein. Il avait déjà fait des pommes de terre là-bas, ça n'avait pas marché. Donc moi je me suis dit bon bah peut-être que c'est parce qu'il s'en est pas trop occupé et tout. Mais non, je pense que il n'y a pas que ça. Là-bas il y a trop de vermine quoi. Les taupins, j'ai jamais vu en fait autant de taupins sur les pommes de terre. C'est un truc de fou. Et je pense que comme là-bas il n'y a pas du tout de poules, de choses comme ça, eh bien c'est pas éliminé. Alors que moi il y a tellement de poules qui grattent autour que le terrain s'assainit au fur et à mesure quoi. Donc voilà, vu de loin, ma petite cave, ce qu'il en est actuellement, voilà, sachant qu'on n'a pas fini du tout, hein. Il reste encore, des tomates, pas beaucoup de courgettes, mais je pense que encore de quoi faire une tournée. Il y aura sûrement des tournées de pommes, de poires, de nèfles, parce qu'il va y avoir beaucoup de nèfles. Châtaignes, je vais pas les faire en bocaux comme ça, je vais faire que en déshydraté pour gagner de la place ici. Et après, il va falloir qu'on rajoute, je pense, je sais pas si on va pouvoir vraiment rajouter beaucoup d'étages ici, puisque après ça commence à être haut, mais il va falloir qu'on rajoute d'autres étages ici. Et dans les autres aménagements qu'on va faire dès qu'on aura un peu plus de temps, quoi, là on est sur d'autres trucs. Ça c'est une ancienne cave à vin, vu que nous on boit pas en fait, on n'a pas de bouteille de vin à mettre. Donc pour l'instant j'avais commencé à mettre quelques bouteilles de sirop ici. Donc voilà, on n'aura pas tout ça en bouteille de sirop. Donc au final ce que je vais faire, c'est qu'à la disqueuse, on va couper intelligemment, je sais pas encore, je pense cela, mettre des petites planches de bois pour pouvoir à nouveau ranger les petits pots, par exemple tout ce qui va être confiture, etc. Et peut-être derrière moi, enfin là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, mettre tout ce qui va être. Voilà, je vous recule. Mettre tout ce qui va être salé. Et ici, ça sera que le sucré. Je ne sais pas encore comment on va s'organiser. Mais en tout cas, il faut que je trouve une solution pour optimiser la place. Parce que c'est vraiment dommage. Là, il y a la moitié de la cave qui n'est pas utilisée. Voilà. Et pourquoi je veux me resservir de ces structures métalliques? Parce que, en fait, dans la cave, tout ce qui va être en bois et qui touche le sol, c'est mort, hein. Ça va pourrir. Donc là, comme c'est que du métal, bah, je voulais m'en resservir pour pouvoir faire cette étagère, quoi. Donc là, vous comprenez bien que tous ces petits pots, c'est quand même énormément de temps entre le semis, la préparation, la stérilisation, etc. C'est beaucoup de boulot. Donc ça paraît pas beaucoup, mais en fin de compte, c'est quand même un paquet de nombre d'heures de travail pour faire tout ça, quoi. Alors finalement, je vais vous la faire la recette du ketchup, puisque là je l'avais fait juste pour un ou deux pots avec le Thermomix. Là on va le faire en grande quantité, puisque je vais faire plein de petits pots finalement pour les conserver. C'était la quantité pour deux petits pots, c'était la recette de base que j'ai modifiée un petit peu à ma sauce. Hein. Donc ça c'est déjà ma modification. Si vous voulez la recette originelle, vous tapez ketchup Thermomix et je crois que c'est la première recette qui apparaît. Voilà, moi j'ai enlevé en fait tous les ingrédients que je n'avais pas chez moi, la noix de muscade, tout le tralala. Voilà, j'ai gardé que l'essentiel et j'ai un tout petit peu simplifié le processus. Moi, je fais rissoler les oignons et l'ail, alors que eux ne font rissoler que l'ail et ils mettent les oignons après. Donc voilà. Et par contre, je mixerai bien sûr à la fin avec le Thermomix pour avoir vraiment une sauce bien lisse. Donc là, nous allons faire le fameux ketchup. Il va falloir d'abord faire rissoler un petit peu tout ça. Alors, si vous avez des gros morceaux d'ail, coupez-les en petits morceaux. Là, c'est déjà coupé. Après, je vais l'écraser, je vais le piler, etc. Donc, faites bien rissoler pour que ça prenne un petit goût d'oignon grillé. C'est ça qui est le meilleur, je trouve. Et ensuite, vous pourrez rajouter la suite de la recette. On le fera ensemble. Là, j'ai mis 680 g d'oignons
Et vous avez une petite poignée de petites gousses d'ail, il n'y a pas besoin de beaucoup parce que c'est quand même très très fort, l'ail. Et j'ai déjà en fait fait x5 sur les quantités de la recette. Mais je pense qu'au niveau des tomates, ça sera plus que x5 parce qu'il y a carrément plus que 5 kilos. On pèsera et je vous dirai ça juste après. Là, je vais mettre déjà 5 kilos de tomates avec les oignons, voir ce que ça fait comme quantité. S'il m'en reste beaucoup, là ouais, il va m'en rester beaucoup parce que là on a déjà 2,6 kg rien que dans le petit bol. Donc vous voyez l'avantage aussi de prendre des grandes marmites, parce que vous avez tout de suite beaucoup plus de quantité quand vous évoluez dans votre autonomie alimentaire, quand vous faites beaucoup de transformations, vous avez besoin de grandes casseroles, de grandes bassines, etc. Ça c'est ce qui nous faisait défaut au début, ce qui faisait qu'on était vraiment obligé de faire encore plus petit à petit que ce qu'on fait maintenant, et on perdait énormément de temps à faire 36 machins quoi. Donc alors là on est à 4 kilos. 571. On va aller jusqu'à 10 kilos. J'ai ajouté les tomates, les poivrons, le vinaigre, un piment. Alors là, il y a clairement moins de poivrons que ce que j'avais fait quand j'avais fait la session test au Thermomix. Donc ça sera peut-être pas le même rendu. On va voir. Si je vois que le goût est moins bon, je noterai bien que dans ma recette, il faut absolument la même quantité de poivrons. Là, le souci, c'est qu'on a mis finalement 18 kilos de tomates et je n'avais pas assez de poivrons pour faire la même quantité, la même proportion en fait que dans la recette d'origine. Donc si c'est pas super bon, bah l'année prochaine, il faut que je fasse encore plus de poivrons. Voilà. Alors, c'est aussi une façon là de vous montrer que vous avez besoin de très grandes marmites. Là, cette marmite, elle loge du coup là plus de 20 kilos de denrées alimentaires entre les poivrons, les oignons, les tomates, le miel qu'on va mettre. Voilà, il y a du poids et il y a du volume. Là, ça va bien, bien, bien réduire parce que les tomates, c'est quand même rempli d'eau. Mais quand même, il vous faut des grands chaudrons, tout en grand. Vous allez y gagner vraiment en temps. Après, vous ne faites pas 36 fois la même chose, quoi. Donc j'ai mixé avec le mixeur plongeant de ma grand-mère pour faire la sauce. Je vais encore la faire réduire parce que là, elle est beaucoup trop liquide, hein. Vraiment beaucoup trop liquide. Et moi j'ai besoin d'une texture très épaisse, un peu texture moutarde, vous voyez, faut que ça se tienne. Faut pas que ça fasse une sauce, faut plutôt que ça fasse un truc épais, quoi. Par contre, j'ai pas voulu le passer au Thermomix, mais voilà, on se retrouve pas avec un truc super lisse. Il reste des graines, de la peau. Donc je vais voir si une fois que ça sera réduit en le repassant au mixeur plongeant, on arrive à choper ces graines. Sinon, je devrais quand même le passer au Thermomix, mais ça m'embête un petit peu parce que du coup, ça fait plein de manipulations différentes puisque je peux mettre que 1 litre 5 dans le Thermomix et que là, il y a à mon avis au moins 5 litres, quoi. Donc voilà, au Thermomix, en fait, la sauce, elle est parfaite. Il n'y a plus une graine, plus un bout de peau, quoi. Donc, ce qui vous empêche justement de d'éplucher les tomates et d'enlever les graines, parce que sinon, il nous faudrait le double de temps. Donc là, je vais remplir tous les petits pots. Ça suffit amplement pour nous deux, à raison d'une soupe toutes les semaines, semaine et demie. Quand vous faites une courge en soupe, vous en avez pour un petit bout de temps quand même, hein. Vous rajoutez par exemple carottes, pommes de terre, ça vous fait quand même une bonne dose de liquide. Donc nous, on va le manger sur plusieurs jours et puis après on s'en lasse, hein. Donc il nous faut quand même quelques jours sans soupe. Donc voilà, cette production pour deux personnes, ça suffit amplement. Et bien sûr, vous doublez à chaque fois que vous augmenter votre effectif. Et c'est bien évident que pour deux personnes, il ne faut pas les mêmes quantités que pour 4, que pour 6, que pour 8, etc. Donc là, ils vont sécher pendant 5 jours au soleil, vu qu'ils annoncent 5 jours à 30 degrés. Donc ça tombe vraiment bien. J'espère que ça va bien les sécher. Et ensuite, je vais les ranger au grenier. Et par contre, je vais laisser ceux qui sont malades. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns là qui ont des petites taches. Je ne sais pas à cause de quoi c'est. Je pense que c'est une sorte de champignon en fait. À cause de l'humidité ambiante qu'il y a eu, hein.
puisque vous avez vu qu'on a eu un peu de mildiou sur les tomates qui est à l'extérieur, etc. Donc bon, sûrement que l'humidité y a fait. Il y en a pas beaucoup, il y en a 6 ou 7 qui ont des petites taches, dont vraiment une seule où il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez celle-ci. Donc celle-là, on va les consommer tout simplement en premier. Et toutes celles qui sont toutes belles, toutes parfaites, eh bien elles, je les mettrai au grenier. Voilà. Ça, c'était le point récolte de courge. On est dans la partie grenier, là, par ma petite trappe secrète. Donc, du coup, c'est là que je vais conserver les courges, puisque je ne peux pas les mettre à la cave. Il faut qu'il y ait de la luminosité et de la température ambiante, on va dire. Donc, j'ai mis mes petites courges sur ces petits machins. Je pense que vous les reconnaissez dans la vidéo sur la conservation que j'ai fait il y a 2 ans. C'était dans notre cave, sauf que je les ai enlevées parce que, encore une fois, c'est du bois. Donc, avec l'humidité, il y avait des espèces de champignons qui s'y mettaient. Donc, je les ai tous repassés au chalumeau pour qu'il n'y ait plus aucune moisissure, que tout soit bien désinfecté, nickel, bien sec. Et je les ai mis ici au grenier. Donc les courges, au final, j'ai mis que celles qui étaient parfaites de chez Parfait Genre. Elles ont pas un pet, pas un... Voilà, vous voyez, c'est des courges qui sont nickel. On pourrait croire que c'est des fausses, mais c'est bien des vraies. Donc je le rappelle, mais je pense que vous l'avez vu juste avant. Mais moi, c'était il y a 6 jours. J'ai cueilli les courges à pas à totale maturité, c'est-à-dire que le pédoncule était demi-sec et pas totalement sec, puisque j'avais regardé juste avant la vidéo d'Olivier qui disait qu'apparemment ça se conserve moins quand c'est ultra sec que quand c'est demi-sec, selon une étude scientifique, alors que tout le monde disait le contraire. Donc je me suis dit, bon bah je vais essayer, je vais tester. Donc c'est ce que j'ai fait. Par contre, j'ai vu que les industriels les mettaient en chambre, en étuve ou je sais plus quoi, enfin à plus de 30 degrés, pendant 5 jours. Donc moi, ça tombait parfaitement parce que là, on est tombé dans 5 jours consécutifs de canicule à plus de 30 degrés sans aucune goutte d'eau. Donc je les avais laissées sur mes marches en granit. Comme ça, elles sont orientées au sud. Donc elles avaient vraiment le soleil chaud qui tapait dessus. Ce qui a permis en fait de faire sécher les pédoncules. Il n'y a que celui-là qui est encore un tout petit peu vert, mais vraiment pas grand-chose. Tous les autres sont secs de chez sec alors qu'ils n'étaient pas du tout secs hein, quand je les ai ramassés. Ça m'a permis aussi, avec un chiffon, de bien essuyer les courges pour enlever tout résidu de feuilles mortes, de terre, de choses comme ça. Parce que je me suis dit que plus elles sont propres, moins il y a de risques qu'il y ait de moisissures ou de choses bizarres qui leur arrivent. Et donc ça, c'est notre stock vraiment pour la fin d'hiver, quoi. J'ai mis, par contre, toutes celles qui avaient soit un petit pet, soit une petite moisissure. Je vous avais montré qu'il y en avait qui avaient... à des endroits un peu trop pris la terre, je pense. Enfin, je sais pas, ça avait commencé à faire des choses bizarres quand il y avait la période super humide. Et donc, toutes celles qui avaient un défaut, je les ai laissées en bas dans le garde-manger et sur la table pour les consommer au plus vite, pour vraiment qu'il y ait zéro gaspillage. Et celles-ci, donc, elles seront là. J'ai aussi fait ça. Je voulais pas montrer. Oh, enfin, je sais plus. J'ai dû filmer 2-3 trucs et puis après, je me suis dépêchée, donc j'ai pas filmé la suite. Mais en gros, j'ai fait ce petit rideau. Parce que là, j'ai mis quelques oignons séparés. Donc les oignons, on en a utilisé beaucoup dans les conserves avec toutes les ratatouilles qu'on a fait, enfin les légumes du soleil, etc. Donc j'ai pas énormément d'oignons à conserver, mais on va dire que pour la consommation de cet hiver, il va pas nous rester grand chose. Donc en bas dans le garde-manger, il y a tous ceux qui sont minuscules. J'ai laissé pas mal de minuscules là-dedans. Là, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, il y a ça comme minuscule. Et j'ai fait 7 tresses avec les gros. Et on a aussi 3 kilos au congélateur, déjà coupés en petits morceaux, vraiment pour utiliser en cuisine. Donc ça sera... je veux tester en fait combien de temps ça reste le plus longtemps possible. Et si vraiment ça marche bien tout l'hiver, bah, l'année prochaine, je ferai des tresses partout. Vous voyez, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai mis 8 anneaux, donc il y a de quoi faire 8 grosses tresses d'un mètre de long. Et voilà. Et donc par contre, l'oignon, il faut qu'il soit lui à l'abri de la lumière. Donc je lui ai fait un petit rideau comme ça pour que dedans il soit dans le sombre. Je sais pas si... Voilà, vous voyez, ils sont dans le sombre.
C'est pas vraiment un rideau occultant, mais voilà, comme ça, ils sont protégés. Ça, c'est pareil, c'est des gros rouleaux de tissu que j'ai pris vraiment pas cher, parce que j'en ai pris en grande, grande quantité, et ça me permet de faire toute la couture comme ça, utilitaire, on va dire, pour que ça me coûte trois fois rien. Mais du coup, je l'adapte vraiment à mes besoins, parce que là, c'est un rideau qui fait le format parfait pour chez moi. Voilà, c'est tout personnalisé. Et j'ai quand même mis ici un petit. Alors attendez, hop. J'ai mis ici un petit thermomètre et pour l'humidité, pour vérifier. Parce que s'il y a trop d'humidité, ça va compromettre la conservation. Donc là, je crois que c'est à quoi? Un peu en dessous de 50%. Il faut pas que ce soit trop humide. Si c'est trop humide, bah, je mettrai des humidificateurs, je pense. Voilà. Alors c'est très satisfaisant à regarder. Ça, c'est du fil Gutermann que j'ai récupéré sur le Bon Coin. C'est de très bonne qualité. J'ai récupéré tout ça, je vous l'avais déjà montré. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Et c'était vraiment pas cher. Parce que là, j'ai fait l'affaire du siècle. Je pense que j'ai économisé plus de 300 euros, quoi. En gros, j'ai dû prendre 40 euros tout ça. Alors que c'était à base de 3-4 euros la bobine sur Internet. Et il y en a plus d'une centaine. Donc, vraiment, c'était une très très bonne occasion. Et là-bas, on n'a pas encore fini de tout bien aménager, mais en gros, là-dessous, c'est tous nos bidons. Il y en a qu'on a descendu en bas pour recharger, mais c'est tous nos bidons de stock en sec, le peu qu'on achète, c'est-à-dire le sucre, la semoule, les choses comme ça. On met dans les bidons, on les met ici, finalement, ça reste plus propre qu'à la cave. Et là, c'est tout notre miel de l'année qui est rangé ici pour que les pots restent vraiment super propres. Et en fait, l'été, cet endroit nous servira aussi pour ranger tous les pots de conserve une fois qu'ils ont été vidés et lavés, mais il faudra plus de rangement que ça, hein. Mais ça sera notre boulot de cet hiver, vu qu'on n'aura plus grand chose à faire à l'extérieur. On va faire plein 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 d'étagères ici. En fait, cette pièce sera remplie d'étagères normalement, du sol au plafond. Je veux tout ranger bien comme il faut, parce que ça commence à faire beaucoup de matos, hein, vous voyez, toutes ces grandes marmites et tout, ça peut plus loger dans une cuisine de gens normaux, hein. C'est pas possible. Donc dans le congélo, c'est essentiellement que de la viande. Là, je vais rajouter, d'ailleurs je vais ranger un petit peu. Donc c'est essentiellement que de la viande, mais il y a quand même quelques fruits pour faire des glaces. Là, c'est les poches d'oignons toutes prêtes. Et là, je viens rajouter des pommes que je viens de passer sous vide. Voilà, quatre poches. Et vous voyez que dessous, c'est vraiment que de la viande, quoi. Il y a quelques pommes de terre. Donc on a poisson, donc ça c'est les carpes. Ça c'est que du fait maison, hein. Le truc est rempli de fait maison. Essentiellement viande, poisson et quelques fruits, mais vraiment pas beaucoup. J'essaie de limiter tout ce que je peux faire en fait en bocaux, etc. Je le fais. La viande, je le fais pas en bocaux parce que j'ai un petit peu peur quand même. Attendez, je prends ce qu'il me faut. Je l'ai fermé pour discuter parce que sinon parce que j'ai pas envie de trop le laisser ouvert. Donc essentiellement dans le congélateur, que de la viande, parce que j'ai pas envie, en fin de compte, de stériliser la viande en bocaux, parce que c'est quelque chose qui n'est ni acide ni sucré, donc plus de risques d'avoir un problème sur les conserves au niveau stérilisation, quoi, parce que voilà, le moindre problème est fatal. Deuxième raison, c'est des temps de stérilisation qui sont beaucoup plus longs. On est sur, en général, c'est 2 heures, la viande, même parfois 2h30, je crois. Donc, c'est souvent plus long, donc plus de ressources en énergie. Alors que là, bon, on a le congélateur exprès, donc il est rempli de viande. J'essaie de pas trop mettre d'autres choses au congélateur, à part quelques petites choses, parce que j'ai pas envie non plus que ce congélateur... parce que si je le remplis avec des légumes et tout, ben, il m'en faudra un deuxième, un troisième, etc.
C'est la facilité, le congélateur. Donc j'ai accepté en fait de prendre un congélateur malgré le fait que ça ne corresponde pas trop à tous mes concepts de vie, parce que du coup bah ça nous fait utiliser des poches comme ça, même s'il y en a qu'on réutilise, qu'on relave, ça fait des déchets. C'est vrai que les bocaux, la déshydratation, etc., ça fait beaucoup moins de déchets. Mais c'est quand même bien pratique pour la viande. Et puis c'est pareil, en conserve, vous pouvez pas tout mettre. Là par exemple, j'ai sorti ça, on va manger ça ce soir et demain. C'est des petites parties de poitrine de mouton. Vous faites ça à la poêle, quoi. C'est délicieux, quoi. C'est tendre, c'est parfait, quoi. Ça, bah, vous pouvez pas le faire en conserve, quoi. Ou alors vous allez faire des ragoûts, mais c'est bien moins bon, quoi. Donc voilà.